jour, vous êtes né. Fille ou garçon, vous avez rencontré vos parents, vos grands-parents. Vous avez peut-être même eu la chance de rencontrer vos arrière-grands-parents. Mais avant, et encore avant, que savez-vous de vos ancêtres? Vous connaissez Monique, Lily, Marie-France, Chantal, Annick et Micheline. Et vous connaissez leurs parents, André et Marie-Louise. Mais connaissez-vous Louis, Marie-Thérèse, Eugène et Joséphine? Louis le Breton rencontre Marie-Thérèse, l'Alsacienne, à Paris et ils se marient. Eugène le Dauphinois rencontre Joséphine, la Lorraine, à Paris, et ils se marient. Mais que font tous ces provinciaux à Paris en ce début du XXe siècle? Pour le comprendre, il faut remonter aux sources. Nous avons des ancêtres bretons, la branche Bouchot, des ancêtres alsaciens, la branche Nelling, des ancêtres dauphinois, la branche Martin, des ancêtres lorrains, la branche Georges, mais aussi des ancêtres venant de Franche-Comté, de Champagne-Ardenne, de Belgique et d'Allemagne. Martin Koeppel, né vers 1595 à Bollanden en Allemagne, arrive en Alsace entre 1600 et 1614. Joseph Jeannot, né vers 1690 à Saint-Claude, arrive en Lorraine entre 1700 et 1720. Marie-Anne Lapierre, née en 1742 à Sommeville, arrive en Lorraine entre 1750 et 1768. Johann Nelling, né en 1810 à Dellingen, et sa femme Katharina Nelling, née en 1817 également à Dellingen, arrivent au Havre entre 1850 et 1852. Jean-François Schurweg, né à Anvers en 1831, arrive au Havre entre 1850 et 1852. Jean-François Schurweg et Katharina Nelling abandonnent leur rêve d'Amérique et arrivent à Paris entre 1863 et 1868. Louis Bouchot, né en 1880 à Nantes, arrive à Paris entre 1900 et 1906. Joséphine Georges, née en 1884 à Neuchâteau, arrive à Paris entre 1900 et 1909. Et Eugène Martin, né en 1875 à Saint-André-d'Embrun, arrive à Paris entre 1900 et 1909. Et voilà, tout est en place pour que Louis le Breton rencontre Marie-Thérèse, l'Alsacienne, et Eugène le Dauphinois rencontre Joséphine, la Lorraine. Dans nos ancêtres, point de roi, point de seigneur, point de noble, mais des laboureurs, des sabotiers, des vignerons, des tisserandes. Je vous propose un voyage dans le temps pour comprendre qui étaient nos ancêtres à travers quatre familles. Les Bouchot, venus de Bretagne. Les Nelling, venus d'Alsace. Les Georges, venus de Lorraine.
les Martins, venus du Dauphiné. Pour cela, nous allons remonter le temps. Non, là, je crois qu'on est remonté beaucoup trop loin. Allez, on tente un nouvel essai. Astérix, Obélix, ah non, vous ne pouvez pas être dans ce film. Quoique, et si on allait voir ce qui se passait au temps de la Gaule romaine? Les Gaulois vivaient tranquillement, ou presque, jusqu'en 58 avant Jésus-Christ, date de l'invasion romaine. En moins 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix dépose les armes, devant César qui va diviser la Gaule en quatre provinces. La Gaule Aquitaine, la Gaule Celtique, la Gaule Belgique et la Gaule Narbonnaise. Mais dans la nuit du 31 décembre 406, l'Empire romain est envahi par les Huns. Mené par Attila, l'Empire romain va se disloquer et c'en est fini pour des siècles du semblant d'unité qui unissait les peuples gaulois. En 481, Clovis est roi des Francaliens et originaire de la Gaule Belgique. Il conquiert une grande partie de la Gaule et fonde la dynastie des Mérovingiens. Pour s'assurer l'appui du clergé, Clovis se fait baptiser avec 3000 de ses guerriers. Ses descendants conquièrent la Bourgogne, la Frise, la Narbonnaise, les Marches espagnoles et la Bretagne. La voie est ouverte pour Charlemagne. Charlemagne est couronné empereur le 25 décembre 800. Charlemagne est un conquérant. En bleu et en orange, ce sont les territoires conquis. En jaune, les États indépendants, mais soumis à Charlemagne. Si la France avait gardé ses frontières, tous nos ancêtres seraient français. Mais à la mort de Charlemagne, son royaume est partagé entre ses fils. Charles le Simple reçoit la Francie occidentale. Lothaire reçoit la Lorraine, la Champagne et les Alpes. La région devient la Lotharingie. Et Louis reçoit ce qui correspond à l'Allemagne et à une partie de l'Europe de l'Est. Et voilà nos ancêtres, redevenus étrangers entre eux. Et la géographie va encore se modifier. Charles le Simple cède la Normandie aux Vikings. Hugues Capet devient roi et fonde la dynastie des Capétiens. La Lotharingie est absorbée par le Saint-Empire romain germanique, sauf la Bourgogne qui devient indépendante. La Bretagne et la Navarre deviennent également indépendantes. Nous voilà en l'an 1000 et nos ancêtres sont dispersés dans des pays différents. Aliénor d'Aquitaine est couronnée reine de France le 25 décembre 1137. C'est la femme de Louis VII, mais le mariage est annulé en 1152 et Aliénor reprend sa dot. Elle épouse alors Henri II d'Angleterre. Le royaume de France devient un fief du roi d'Angleterre et se réduit à ce qui est en vert et bleu sur la carte. De son côté, Charles VII épouse Adèle de Champagne, qui donne naissance à Philippe II, dit Philippe Auguste. Il va reconquérir le territoire, ne laissant à l'Angleterre que l'Aquitaine, qui est en rouge sur la carte. Mais le pire reste à venir.
En 1328, Charles le Bel meurt sans héritier. Il y a deux prétendants au trône, Édouard III d'Angleterre et Philippe de Valois. C'est Philippe de Valois qui est choisi. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Et juste avant le chaos, Humbert II, dauphin du Dauphiné, c'est-à-dire roi du Dauphiné, vend sa province à la France. Désormais, le futur roi de France gouvernera la province et prendra le titre de dauphin. Le royaume de France est un champ de bataille. En 1356, Jean II le Bon est fait prisonnier à Poitiers. Le traité de Brétigny réduit la France à ce qui est en bleu sur la carte. Charles V s'entoure de grands capitaines, comme du Guesclin. Mais la folie de Charles VI remet tout en question. En 1415, après la défaite d'Azincourt, la France se réduit à ce qui est en orange sur la carte. Et là, nous avons un problème. Car en dehors de nos ancêtres du Dauphiné, nous n'avons plus d'ancêtres français. Plus rien ne semble pouvoir sauver le royaume de France. Mais en Lorraine s'éveille la petite Jeanne. À Don Rémy, en Lorraine, dans cette maison, en 1412, naît Jeanne d'Arc. Elle veut sauver le royaume de France. Elle rencontre le roi Charles VII à Chinon. Elle le convainc de lui confier une armée et marche sur Orléans. Elle bat les Anglais qui sont chassés hors de France. Charles VII est sacré roi à Reims. Jeanne d'Arc est faite prisonnière par les Anglais et brûlée vive à Rouen le 14 mai 1431. Le royaume de France se reconstitue. La Bourgogne est annexée, ainsi que la Bretagne. François Ier entame une guerre difficile, mais il regagne Calais ainsi que les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. En 1515, il bat les Suisses au cours de la bataille de Marignan. Sous son règne, le royaume de France devient inaliénable, c'est-à-dire qu'à la mort du roi, le royaume de France ne pourra plus être divisé entre ses héritiers. Le 10 août 1539, il prend l'édit de Villers-Cotterêts. À partir de cette date, tous les actes de l'état civil, baptême, mariage et sépulture, doivent être rédigés en français et non plus en latin ou dans une langue locale, ce qui pour nous, généalogistes du XXIe siècle, facilite beaucoup nos recherches. Et en plus, il annexe le Beaujolais. Son règne se situe à la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance. Mais à la fin du règne de François Ier, il nous manque encore pas mal d'ancêtres. Luther et Calvin sont à l'origine du protestantisme, contre lequel s'élèvent violemment certains catholiques, regroupés autour de la Ligue, comme le duc de Guise. Les guerres de religion vont se déchaîner de 1559 à 1598. Sous le règne de Henri II, François II, Charles IX, pour se calmer sous le règne de Henri IV.
les édits contradictoires se succèdent. Édit de Chateaubriand et édit d'Écouen, qui tous les deux condamnent à mort l'exercice du culte protestant. Édit d'Amboise, qui donne la liberté de culte pour tous. Paix de Beaulieu, qui consacre aussi la liberté de culte pour tous, sauf à Paris. Traité de Nemours, qui révoque tous les édits de tolérance et signifie l'expulsion des protestants. Traité de l'Union, qui impose au roi de France d'être catholique. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, à Paris comme en province, plus de 3000 protestants sont massacrés. Et le 23 décembre 1588, le duc de Guise, chef de la Ligue, est assassiné. Il faudra attendre 1598 et l'édit de Nantes pour que la liberté de culte soit tolérée. Nous sommes en 1600 et Henri IV est roi de France. À cette époque, à Crau, en Dauphiné, naît Claude Martin. C'est notre premier ancêtre identifié porteur du nom Martin. Dans les mêmes années naissent Le Nain, Georges de la Tour, Lebrun, Corneille. Parti de Honfleur, Samuel de Champlain fonde Québec. Galilée invente son thermomètre et Herschel le télescope. Pour lire l'heure, Claude Martin peut se référer aux nombreux cadrans solaires que l'on trouve en Dauphiné. En 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac. Louis XIII règne de 1610 à 1643. Vers 1630, naît Johann Matthias Nellig à Dellingen, en Alsace-Bossue. Premier ancêtre identifié porteur du nom Nellig, il est protestant, comme le seront ses descendants. Cuny-Georges naît aussi vers 1630, en Lorraine. C'est notre premier ancêtre identifié portant le nom de Georges. Johann Matthias Nellig et Cuny-Georges naissent tous les deux en dehors des frontières du Royaume de France. Et Michel Martin naît à Crau. Ils ont pu rencontrer Vermeer, Molière, Pascal, qui invente la première machine à calculer, ou encore les ministres de Louis XIII, Richelieu ou Mazarin. Mais il est plus probable qu'ils prennent de plein fouet la guerre de 30 ans qui dure de 1618 à 1648. Au départ, c'est un conflit entre catholiques et protestants qui dégénère en véritable guerre européenne. «
Nos ancêtres se retrouvent au cœur du conflit. La guerre est terrible, des massacres sont perpétrés. L'Alsace perd la moitié de sa population et la Lorraine est décimée. La guerre se termine avec les traités de Westphalie. Le Dauphiné reste à la France. Le duché de Lorraine reste indépendant. Mais l'Alsace est coupée en deux. La Haute-Alsace est annexée par la France, alors que la Basse-Alsace, où vivent nos ancêtres, fait partie du Saint-Empire romain germanique. Louis XIV règne 72 ans, de 1643 à 1715. Durant son règne, naissent en Alsace Johann Jakob Nellig en 1655 et Johann Matthias Nellig en 1689. En Dauphiné naissent, vers 1670, Sébastien Martin et vers 1697, Jacques Martin. En 1663, Jean-Georges naît en Lorraine et Cunégonde naît en 1704. Joseph Bouchot naît en Bretagne en 1690. Il est notre premier ancêtre identifié portant le nom de Bouchot. Ils naissent à la même époque que Watteau, Chardin, Daniel Defoe, Voltaire et Diderot. La balance à deux fléaux est inventée, ainsi que la machine à vapeur, le microscope et le piano. Pour éviter à la noblesse de comploter contre lui, Louis XIV la maintient quelque peu enfermée à Versailles, où il donne des fêtes somptueuses. Mais il prend aussi le temps de révoquer l'édit de Nantes, ce qui provoque l'exil de près de 200 000 Huguenots. En 1670, les troupes de Louis XIV occupent la Lorraine. Mais elle est rendue, en 1697, à Léopold Ier de Lorraine. L'Alsace fait alors partie du Saint-Empire romain germanique. Entre 1671 et 1673, plusieurs affaires de sorcellerie ont conduit une douzaine d'habitants de Dimmeringen au bûcher. Les trois quarts des victimes de l'Inquisition sont des femmes, mais elles frappent aussi des enfants de 9 ans. Dénoncés, torturés, c'est le plus souvent le bûcher qui attend les accusés. Ainsi, deux de nos ancêtres directs, Walpurga, femme de Johannes Coepel, et Margaretha, femme de Anstedt Emmert, ont été décapitées par l'épée et brûlées près du bûcher le 16 octobre 1673. Le 6 août 1680, la Haute-Alsace est annexée par la France. La révocation de l'édit de Nantes n'y sera pas appliquée et le français ne sera pas imposé comme langue officielle. À la mort de Louis XIV, seuls nos ancêtres lorrains vivent encore hors du royaume de France. Louis XV règne 59 ans, de 1715 à 1774. Joseph Bouchot naît en Bretagne en 1718. En 1721, Johann Georg Nellig naît en Alsace. Johann Michael Nellig naît en 1729. Johannes Nellig naît en 1755
et Johann Andreas le 4 naît en 1764. Jean-Georges naît en Lorraine en 1749. Et Jacques Martin naît en Dauphiné en 1752. Ils sont contemporains de Fragonard, David et Chateaubriand. Ils pourraient utiliser les dernières inventions comme le métier à filet mécanique ou la voiture à vapeur inventée par Cugnot. En 1715, l'Europe est une mosaïque d'États et la Lorraine n'est toujours pas rattachée à la France. Mais en 1738, Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, signe le traité de Vienne qui cède la Lorraine à la France. La cession devient effective en 1766. Tous nos ancêtres sont désormais français et le resteront jusqu'en 1870. Le début du règne de Louis XV se déroule dans une certaine prospérité économique, avec l'essor des manufactures et des progrès dans l'agriculture. Mais la société reste bloquée sur le modèle féodal, privilégiant une minorité, la noblesse et le clergé. Louis XVI règne de 1774 à 1792. En 1775, Pierre Bouchot naît en Bretagne. En 1785, Philippe-Peter Nellig naît en Alsace. Et Thomas Georges naît en 1790 en Lorraine. Il pourrait rencontrer Ingres, Stendhal ou Lamartine. Il pourrait aussi sauter en parachute, prendre le bateau à vapeur ou s'éclairer au gaz. Mais leurs vies seront plus certainement bouleversées par l'ouverture des États généraux le 1er mai 1789. Le 17 juin, les députés jurent de ne pas se séparer sans avoir donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume. Le 14 juillet, les Parisiens prennent la Bastille. Les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août et le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée. Le 20 juin 1791, Louis XVI tente de s'enfuir, mais il est arrêté à Varennes et reconduit à Paris. La République est proclamée le 22 septembre 1792. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Et Marie-Antoinette le sera le 16 octobre 1793. La Première République va durer de 1792 à 1799. Jean-Jacques Martin naît en Dauphiné en 1792. Les anciennes provinces ont disparu au profit des départements. De 1793 à 1805, le calendrier républicain sera en vigueur. Il est contemporain de Corot, Delacroix, Balzac et la comtesse de Ségur. Et à cette époque, on invente la boîte de conserve. Très vite, la terreur s'installe. En Bretagne, comme dans d'autres régions, les paysans ne bénéficient que très peu des réformes. Souvent, ils ne tiennent leurs terres que de façon précaire, location, métayage. Et pour compenser la baisse de leurs privilèges, les propriétaires ont souvent augmenté leurs exigences. De plus,
La réorganisation religieuse perturbe trop les schémas traditionnels et est mal acceptée. La levée en masse de troupes en 1793 déclenche une grande insurrection. C'est le début des guerres de Vendée. La Vendée militaire se répartit entre les anciennes provinces du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne, c'est-à-dire bien au-delà du seul département de la Vendée. De 1793 à 1796, les batailles vont se succéder, mais aussi les massacres. Arrivé à Nantes en 1793, Carrier sera le bras armé de la terreur. Il fait marcher la guillotine, mais il trouve qu'elle est trop lente. Alors, il invente les noyades collectives. Les noyades feront entre 1800 et 4000 victimes, enfants, femmes, hommes, vieillards. Le bilan exact des guerres de Vendée n'est pas connu, mais il tourne autour de 300 000 victimes. En 71 ans, les Français vont connaître deux empereurs, trois rois et deux révolutions. Ils connaîtront aussi les victoires et les défaites de Napoléon. Sous Napoléon Ier, naît à Dellingen en 1810 Johann Nelig. Sous Louis XVIII, Pierre Bouchot naît à La Haye-Fouassière en 1816. Et Katharina Nelig naît à Dellingen en 1817. Sous Charles X, Casimir Georges naît à Favière en 1825. Sous Louis-Philippe, Louis Bouchot naît à La Haye-Fouassière en 1840. Et Catherine Nelig naît à Dellingen en 1842. Pendant la Deuxième République, Joseph Martin naît à Crévoux en 1849. Au cours de leur vie, ils pourront rencontrer Manet. Renoir. Monet. Alexandre Dumas. Victor Hugo. Jules Verne ou Émile Zola. Et au cours de cette période, on invente la pile électrique, le vélocipède, la photographie et le chemin de fer. Entre 1850 et 1854, Johann et Katharina Nelig quittent Dellingen pour Le Havre. L'histoire familiale raconte qu'ils partent pour l'Amérique. Ils ont déjà 4 enfants et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne partent pas sur un coup de tête. Dans la seconde partie du 19e siècle, de nombreux Alsaciens ont émigré vers la Russie, vers l'Autriche-Hongrie ou vers l'Amérique. Mais ils arrivent au Havre et y restent. Ils y auront 2 enfants et Johann, comme beaucoup d'Alsaciens, est ouvrier dans une raffinerie de sucre. Ils quitteront le Havre au début du XXe siècle pour aller s'installer à Saint-Ouen, en région parisienne.
Napoléon III est président de la République de 1848 à 1851, puis empereur de 1852 à 1870. Eugène Georges naît à Vendée-les-Villes en 1856. Il est contemporain de Van Gogh et Maupassant. Il pourra jouer avec des allumettes et prendre l'ascenseur. En 1815, la chute de Napoléon Ier entraîne la perte de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Ces trois départements sont récupérés par Napoléon III en 1859, après la victoire de Solferino. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, dirigée par Bismarck. Très vite, les défaites s'enchaînent. Le 2 septembre 1870, Sedan tombe et Napoléon III est fait prisonnier. La déchéance de l'Empire est prononcée le 3 septembre et le 4 septembre, Gambetta proclame la République. Le gouvernement de la Défense nationale est formé ce même 4 septembre 1870. Il est dirigé par Trochu. Dans toute la France, la résistance s'organise. Mais Paris est assiégé à partir du 19 septembre 1870. La France capitule le 28 janvier 1871. Et le traité de Francfort est signé le 19 mai 1871. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. En Alsace, seul le territoire de Belfort reste à la France en raison de sa conduite héroïque pendant la guerre. Nos ancêtres directs ont quitté l'Alsace, mais leur famille vit dans la zone annexée. Nos ancêtres lorrains ont quant à eux la chance de ne pas se trouver en zone annexée. Les territoires perdus deviennent des départements allemands. Provoquée par l'humiliation de la défaite et la misère due au siège, une insurrection a lieu à Paris et prend le nom de Commune de Paris. Elle dure de mars à avril 1871 et se termine par une répression sans pitié. Il y a eu plus de 20 000 morts, plus de 30 000 arrestations, dont environ 17 000 déportations. La Troisième République dure de 1871 à 1940. De 1871 à 1900, 7 présidents de la République vont se succéder. Joseph Martin et Marie-Clotilde Lagier habitent Crévoux. Ils ont déjà une fille, Marie, lorsque naît Eugène le 28 janvier 1875. Marie-Clotilde décède 2 jours après la naissance d'Eugène. À Saint-Ouen, Jean-François Schorweg et Catherine Nellig donne naissance à Marie-Thérèse le 21 octobre 1876. Elle est la plus jeune de leurs 6 enfants. Louis Bouchot et Madeleine Bouillet vivent à Nantes, où naît Louis le 23 avril 1880. Il est l'aîné de leurs 4 enfants.
Eugène Georges et Elisabeth Chenin vivent à Rousseux, une commune rattachée à Neuchâteau, où naît Joséphine le 8 juin 1884. Ils auront 7 enfants. Eugène, Marie-Thérèse, Louis et Joséphine naissent dans les mêmes années que Picasso. Braque, Modigliani, Jack London, Apollinaire, et Sacha Guitry. Avant 1900, les inventions se multiplient. Téléphone, micro, disque, télévision, avion. Joséphine et sa famille quittent la Lorraine entre 1889 et 1892. Ils s'installent à Brie-Comte-Robert. Pour la famille Georges, il n'existe pas de village d'origine, de nid où l'on naît, où l'on vit, où l'on meurt. De 1663 à 1889, ils vont de village en village. Ils naissent, vivent, meurent, là où ils ont trouvé du travail. Si Eugène et Elisabeth partent avec leurs 6 enfants, c'est très certainement pour trouver du travail. Et Eugène va trouver du travail dans un des chantiers de construction du métro. Mais il mourra des suites d'un accident dû à l'effondrement d'une galerie. Pour Eugène, en revanche, il existe un village d'origine, Crévoux. Il existe même une maison d'origine, à Chanron. Eugène arrive seul à Paris, au début des années 1900. Louis est né à Nantes, mais la famille Bouchot est originaire de La Haye-Fouassière, une grande partie de la famille Bouchot s'est installée à Vertoux. Mais le père de Louis s'est installé à Nantes. Comme Eugène, Louis arrive seul à Paris au début des années 1900. Marie-Thérèse épouse Charles Prévost le 2 mai 1901 à Charenton. Ils auront 3 enfants. Mais Charles décède en 1904. Louis épouse Marie-Thérèse le 24 juin 1906 à Créteil. Ils auront 4 enfants. Ils divorceront et Louis passera la fin de sa vie avec Marinette Potdevin.
Eugène épouse Joséphine le 11 décembre 1909 à Charenton. Ils auront 7 enfants. Joséphine décède en 1923 et Eugène épouse Marie Deschopina. André et Marie-Louise se marient le 17 mai 1941 à Saint-Maur. En octobre 2009, Dominique à Titouan, ils ont 37 descendants, plus 2 qui doivent naître très prochainement.